la vision, une belle identité qui nous rend encore plus confiants dans ce que nous dénonçons pour simplement éclairer l'opinion publique et pousser ceux qui ont l'effectivité du pouvoir de nous apporter des éléments qui soi-disant nous échappent pour que nous puissions là recadrer notre discours ou simplement pour nous encourager dans ce sens. Une simple question d'objectivité et non de ce que on pourrait laisser la dire. La raison n'a jamais fait tache d'huile tant qu'elle est portée par des meilleurs sentiments. Aucune épée de Damoclès ne doit peser sur le peuple congolais et encore moins sur un dialogue de plus inattendu qui s'est fait là passer pour un dialogue attendu par des entourloupes qui ont choqué plus d'un Congolais et ont choqué une bonne partie de la communauté internationale. D'où cette vague de protestation qui depuis la désemplit. N'est-on point hypocrite et encore moins aveugle? La classe politique congolaise ne doit pas continuellement jouer à la politique de l'autruche, alors que tous les voyants sur l'étendue du territoire congolais sont passés au rouge. Voilà pendant que le politicien tergiverse, le peuple en a plus qu'assez. Pendant que le peuple souffre, meurt et subit toutes les intimidations possibles et inimaginables, pour ne pas dire véritables assauts, pour le faire renoncer de sa raison d'être qui n'est autre que son attachement à un état de droit et à une seule et unique constitution qui jusque-là n'a jamais trahi personne. On a beau inviter des médiateurs par-ci, par-là, mais tant qu'il y aura cette prédominance de la mauvaise foi des autorités en place, rien de bon ne se fera. La Constitution, depuis quelque temps, n'a cessé là de subir les assauts de la majorité, pour ne pas dire, n'a pas cessé d'être mise en mal par ceux qui étaient ou qui sont censés la défendre. Oui. Voilà que les roublardistes s'invitent devant la scène pour faire leur show à grand spectacle, pendant que le peuple continue là à s'interroger sur cette bonne mauvaise foi par cette majorité qui en a largement mais tiré profit. Prendre le peuple congolais en étau, pour ne pas dire en otage, par un chantage permanent de vouloir à tout prix retoucher la Constitution et de tenir le peuple sous une pression, alors que la lecture de la Constitution n'a jamais été aussi claire sur les mandats, à commencer par le mandat présidentiel, sur le mandat
des députés, sur le mandat des sénateurs, sur le mandat des gouverneurs, et j'en passe. Tous veulent faire de la violation une véritable constance dans un état de droit. C'est carrément se moquer du peuple que de le mettre là devant un fait accompli. Oui, se moquer du peuple et le repousser là dans ses moindres retranchements par une telle défiance, cela, vous savez, relève simplement de l'absurdité et de l'inconscience. La cupidité des hommes. Et pour le moment, tout porte à croire que nous allons dans cette direction. Et si jamais je me trompais, rassurez-vous, je m'en excuserai, puisque mon fond intérieur est juste, bon et clair. Mais, comme je le disais, tout porte à croire que j'en suis pas loin du compte. Le baromètre de la frustration doit tomber pour que le peuple congolais revienne là au meilleur sentiment. Je ne dirai pas que la classe politique congolaise a trahi, mais cependant, j'oserais dire, tout porte à croire que le régime en place a tout fait pour que nous en arrivions là. Voilà que les politiques ont décidé d'occuper l'avant de la scène, tout en donnant leur show le plus spectaculaire, tout en faisant fi de la protestation du peuple congolais sur l'étendue du territoire. Cela relève d'un non-sens. Ce rapport de force injuste et incongru laisse un goût ou une odeur nauséabonde. Alors j'invite là simplement ceux qui ont l'effectivité du pouvoir de tout faire pour décrisper là la situation et revenir au meilleur sentiment, pour ne pas dire au basique, qui n'est autre que la constitution de la République. À bon entendeur, c'est d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle.